Le second R, c'est la responsabilité. Avec le localisme, on rapproche les instances de pouvoir du lieu où ils s'exercent. Donc ça oblige les gouvernants, sous la pression d'un contrôle civique plus resserré, à mieux remplir leur mission. La responsabilité, la vraie, suppose qu'on puisse attribuer une action à un auteur, qu'on puisse évaluer cette action et qu'on puisse la sanctionner. Un pouvoir local rend ces trois opérations bien plus aisées. En particulier, la sanction devient réelle parce qu'il est bien plus difficile d'échapper pour un élu à la désapprobation de ceux qu'il croisera peut-être le samedi matin sur la place du marché, mais aussi parce qu'un dirigeant local subit forcément directement dans sa propre vie quotidienne les effets négatifs de ses erreurs. Donc un ministre peut prendre une décision qui va affecter une région qui se trouve à des centaines de kilomètres de la capitale ou de son lieu de résidence. Il ne verra jamais les effets de cette décision. Mais un maire, il est vraiment incité à faire en sorte que sa ville soit calme, sûre, belle, parce qu'il y vit. Il y a une espèce de coïncidence entre la source de la décision et le lieu où elle s'exerce. Et c'est ce que j'appelle, moi, un effet de retour. Il y a un effet de retour beaucoup plus direct entre une action et ses conséquences.